Reposez-vous. Aimez. Reçu. Un coup. Poum. Au cœur. Et on doit s'adapter. Et là, c'est hyper mat. Super. Ça marche? Une fois le brouillard laissé enlevé sur la colline, Aimez retiendra dans sa gorge un bouquet de sucre. Et on va attendre un petit peu finalement, il commence à dire dans sa gorge un bouquet de surprise. Super. Donc on est ravis ce soir de recevoir Cécile Coulon, romancière, poétesse, éditrice, coureuse de marathon, scénariste de jeux vidéo. Non mais déjà moi d'être sur l'eau, j'ai l'impression là de vivre, pour moi c'est Koh-Lanta. Voilà, je suis très contente d'être ici, vraiment. Une chose en plus, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait de la jeunesse. Voilà. C'est gentil pour moi ça. Ils ont vraiment fait une création complète autour des poèmes et d'extraits du roman de Cécile. D'abord de se maîtriser soi et de maîtriser son corps et d'avoir comment dire, une forme d'insolence à savoir qu'on va la sortir et qu'on va la sortir correctement cette note. Et pareil pour toute une partition. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, même si j'ai pas du tout fait de la musique mon travail. C'est un centre d'intérêt pour moi aujourd'hui, mais ça m'a toujours marqué et je me suis dit qu'est-ce qui peut, dans cette époque et dans ce lieu-là, dans le Jura, venir frapper le corps de cette jeune femme. Il faut que ça passe par la musique, il faut que ça passe par un instrument, et il faut que ça passe par une autre femme qui va venir appuyer avec sa main dans le dos, mais très très fort, pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas qu'un ventre qui va accueillir un enfant, qu'elle est autre chose, qu'elle a d'autres muscles, qu'il y a d'autres organes, et qu'il y a d'autres feux en elle. Donc c'est pour... T'es une bête. On entendait à peine le bourdonnement des ateliers. Elle avança un peu plus. Seul le bruit des mouches et des légers hennissements troublaient ses pas, et quand elle fut complètement dans l'enclos, elle scruta de métal à laquelle un rayon de soleil s'accrochait. D'abord, elle crut qu'il s'agissait d'un licol cassé, d'une pièce de sel, et en approchant, plissant les paupières, elle étouffa un cri de stupeur. Cendre, je voudrais m'allonger quelques minutes. La journée m'a fatiguée. Pouvez-vous monter l'escalier ou dois-je vous porter? Comment vous sentez-vous? Je suis si fatiguée. Jeune fille qui a un prénom évidemment chargé de sens. Et je vais te demander pourquoi as-tu choisi ce prénom évidemment. Alors pourquoi j'ai choisi ce prénom? Déjà je le trouve très beau.
C'est aimer et eux, donc c'est quelqu'un qui est aimé mais qui ne sait pas encore ce que ça veut dire que d'aimer. Donc il est très... Et je m'arrête là parce que j'ai vraiment très très envie que vous achetiez le livre à la fin. Alors Cécile, ça t'a fait quoi de voir des élèves chanter tes textes? Bah, c'était incroyable parce que comme je l'ai dit à la fin de la rencontre, pour moi, écrire des livres c'est une chose, mais les publier et savoir qu'ils ont été mis en chanson, mis en musique, lus et j'espère appréciés par des jeunes gens qui ont toute la vie devant eux, vous avez toute la vie devant vous, pour moi je me dis ok, c'est gagné, c'est, en fait c'est un pari pour l'avenir. Et donc c'était très émouvant déjà, parce que c'était si bien chanté, c'était si beau. Mais en plus, tout d'un coup, vous mettez beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention dans quelque chose qui représente ma vie. Donc c'est évidemment très émouvant. Et j'espère que vous allez continuer toute votre vie à jouer d'un instrument, à chanter, et à faire que d'autres gens vont être émus grâce à vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter.